Bonjour, je m'appelle Mohamed Sansouna Diallo, inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Diourbel. Nous sommes là ce matin pour organiser un atelier de renforcement de capacités à l'endroit des partenaires sociaux au niveau de l'université Aline Diop de Bambé pour un peu promouvoir une culture du dialogue social au sein de l'université. Donc c'est un atelier de 2 jours. Nous avons reçu également une délégation qui est venue nous appuyer, une délégation de Dakar, du ministère du Travail, Mme Walti qui est ici, et M. Mbaïsen Diakhaté, qui sont venus nous appuyer dans le cadre de cette formation-là. Oui, tout passe par le dialogue social, comme je l'ai dit. Donc, le dialogue social fait appel à des mécanismes. Ce sont des mécanismes donc, de consultation, de concertation, de dialogue, de rencontre, etc. Et c'est très important pour les différents partenaires sociaux, que ce soit les travailleurs, mais également les responsables de l'université, que ce soit également le recteur et tous les autres qui sont dans le cadre, qui représenteraient l'employeur au sein de l'université. Donc ça passe par des mécanismes, comme je l'ai dit, avec des résultats qu'on attend, c'est-à-dire aller vers un climat social de paix, comme l'a dit le recteur, aller vers un apaisement dans le cadre des différentes revendications qui sont posées par les travailleurs. Le dialogue social à l'université, est-ce que impliquer les étudiants par la maîtrise? Oui, en vérité, pour ces 2 jours, la formation va à l'endroit des agents de l'université, qui sont des travailleurs au sens du Code du travail. Donc, c'est pour un peu les amener à avoir cette culture du dialogue, à poser des revendications, mais à aller vers une concertation avec l'employeur qui est là, représenté par le recteur. Donc, c'est cela, en tout cas, l'objet de ces 2 jours de rencontres au sein de l'université. C'est pour former les délégués du personnel, former également les représentants syndicaux au sein de l'université pour que, enfin, qu'ils puissent connaître les différents mécanismes qui les permettent d'évoluer dans le cadre des revendications qu'ils vont poser, pour aller également vers des accords, vers un apaisement du climat social, comme l'a dit le recteur.